Baker touch that horn again, and I swear I will cut you. Chopek, it's fuck off a clock. What are you doing? Recovering. Kinetosis. I don't travel too well. You ain't gonna travel well with my foot up your ass either. Il est malade, Jack. C'est vraiment un sale con, hein. Ça va, mon gars? T'as vomi? Ah, damn. Hein? T'es vraiment qu'un con, toi, Jack. Je t'aime pas. Même si on a fait les 400 coups ensemble, je t'aime pas. Bon, docteur. C'est le moment de présenter le nouvel épisode aux abonnés. D'accord? Donc, je vais faire ma petite introduction normale. Et puis, on se retrouve ouais, juste après le petit trailer. Yo les marsouins, c'est Tipex, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite des aventures de Rod. Rod qui est dans la campagne solo d'Arma 3 Contact. On est dans le cinquième chapitre. Et là, on doit aller explorer les environs. Mais d'abord, je vais voir si je peux récupérer quelque chose dans le véhicule. Ah lui, il est pas bien du tout. Hein. Y a pas des armes ou un truc comme ça dans le véhicule? Non, premier secours. On va peut-être en prendre quelques-uns. J'ai vu un truc. Montez dans la camionnette, ok, allons-y. Je fais ce que je veux. Puis d'ailleurs, je vous entends pas. C'est marrant. Elle est sympa cette camionnette. Bon, on va y aller quand même. Juste, est-ce que j'ai encore... Ouais, mon viseur. C'est bon. Bon, on y va. Parce que je suis le seul à bosser ici. Hein, Jack? C'est parti, où est-ce qu'on doit aller? Trouver les bouts de racines. Ok. C'est parti. Au pas de course, soldat. Donc on va aller explorer les environs. Et on va essayer de reprendre contact avec les extraterrestres, peut-être, je sais pas. Augmentation d'activité du réseau souterrain capté. Ah, attends, on va sortir le spectre. Il y a peut-être quelque chose d'intéressant. Non. Et côté extraterrestre. Jamais il y a une fréquence pour les humains et une fréquence pour les extraterrestres. Bon, il n'y a rien d'intéressant non plus. Donc on y va tranquillement, lentement mais sûrement. Activité détectée sur une fréquence non identifiée. À chaque fois que tu me dis ça... Je capte rien. Oh putain. Attends. Ça tire. C'est un mec ça, c'est quoi? C'est qui lui? Le but ou pas? Oh, il est mort. Il y en a d'autres? Il tirait sur qui lui? Oh! Bordel, c'est quoi? Putain, c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'ils ont fait péter là? C'est un coin livonien lui là? Attends, je vais aller voir. Il est où? Il est là. Qu'est-ce qu'ils ont fait péter là? J'espère que c'est pas le truc de racine. Non, ça... Ah non, j'y suis pas. Un peu plus loin. Et lui, c'est qui, lui, là? On va aller voir ce qui s'est passé là-bas. Hein. Mais il tirait sur quelqu'un d'ici. Alors, je devais pas voir grand-chose. Il y a peut-être encore du monde sur place. Faut que je fasse attention. On va se décaler sur la droite. Qu'est-ce qu'ils ont fait sauter? Un bâtiment, on dirait. Oh putain, il y a du monde. Il s'est barré où le mec là? Et il est là. Il est tout seul? Il descend. Ils ont dû détruire des preuves ou un truc comme ça là. Que ça ressemble pas à un camp
un camp de rebelles comme on avait pu voir auparavant. Tiens, il y a un mec là. En train de faire sa patrouille, mais... Attends, il va où? Ouais, t'es mort. Je me suis fait repérer là. Vous êtes au courant que j'ai un silencieux quand même? Ah, je m'en fous maintenant, je tire sur tout ce qui bouge. J'ai pas envie de prendre de risques. Oh, elle est sympa la maison là-haut. Il doit avoir une belle vue. Ah, c'est quoi ça? Des conteneurs. Il y a un mec qui est pas bien là. Il a quoi lui sur lui? Pourquoi je peux pas l'ouvrir? Grenadier géométrique. Oh, je vais aller voir ce qui se passe là-haut. Putain. Je suis repéré. Bizarre, je puisse pas ouvrir le gilet là. Alors attends, où est-ce qu'il est le mec qui me tire dessus? Ça va être compliqué de trouver, je pense. Okay, il est par là, mais où? Oh putain. Attends, je sais ce qu'on va faire. Il va falloir le faire vite, mais bien. Alors déjà, on va pas se lever, on va essayer de le capter comme ça. On va peut-être pas dû tirer sur l'autre là tout à l'heure. On va pas se lever tout de suite. Faut que je le repère. En tout cas lui, il va mettre une tête là si je fais pas attention. Ok, il est par là, non? Bordel, prends ta balle! Ah, ça bouge trop! Oh putain. Il m'a fait mal ce bâtard, il me l'a mis dans le bide! Y'en a un autre qui descend ou pas? Et lui c'était quoi? Attends. Ah mais non, je voulais pas prendre le drone. Il est où le drone? Merde. Non, non. Range le drone, s'il te plaît. Prends le sac du drone, s'il te plaît. Merci. Voilà, je voulais juste sortir mon fusil. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ici? Ok, on va aller voir ça de plus près. Il y a eu un carnage, en tout cas.
Il y a peut-être des informations à récupérer. Eux, c'est les Livoniens, on est d'accord. Mais du coup, le mec que j'ai buté tout à l'heure, c'est qui? Une sorte de rebelle, là? Il n'y a pas des infos dans le, sur l'ordinateur. Non. Ça c'était quoi exactement? Un lanceur? Qu'est-ce que je devais faire sur cette position? Zone de danger au sud, d'accord. Alors attends, on fait quoi? On va au sud ou on va trouver la racine machin. On va faire un petit tour au sud d'abord. Je sais pas si je fais le bon choix de descendre d'abord au sud avant d'aller voir la racine, je sais pas. De toute façon, je vais devoir faire demi-tour après. On verra bien. En tout cas, il y a le bruit d'un vaisseau extraterrestre qui est de plus en plus proche. Ah, c'est quoi ça? C'est le camp et un véhicule. Mais il y a un vaisseau là. Et une lueur bleue. Et là-bas c'est quoi ça? Oh punaise. Il y a un véhicule, des bâtiments. Ok. Attends, on va observer un peu tout ça avant d'y aller. La lueur bleue elle est là. Ok, il y a du monde. Où j'ai vu la voiture? Ok, c'est un peu plus haut. Oh, c'est pas une voiture! Putain, c'est chaud. Il me repère, je suis mort. Dis-moi, c'est super bien gardé ici. Ça m'intrigue quand même, attends, je vais voir si je peux capter le signal là. Il y a un vaisseau pas loin. Ça c'est quoi ça? Ah putain, faut que je réactive le réticule. Tant que je l'ai. En fait il est juste là le vaisseau, d'accord. C'est marrant, c'est qu'il est à côté d'eux, mais personne ne lui tire dessus. Qu'est-ce qu'il fait? Il protège quelque chose? Il est vraiment tout proche d'eux, quoi. Un test. On va faire un test. Bon, je vais essayer de me rapprocher. Il y a du monde aussi en haut à gauche, là. Je fais ça, je sais pas, c'est mon instinct, il me dit d'aller par là. Il y a un barrage à ma droite, il y a un barrage à ma droite, c'est super gardé ici là. Ah, il y a un barrage là. La première fois que je peux le voir comme ça, hein. Regardez les petites, ah, faut que je regarde ce que c'est de plus près là, les petites boules là. Protège quelque chose ici là. Mmh.
quoi ces trucs là? Là il y a l'onde encore, l'onde de choc là, je peux pas me trop me rapprocher. Ah il y a une nouvelle, il y a une nouvelle. Il y avait une nouvelle fréquence, il y en a encore une ici là. Il y en a encore une ici. On communique, on communique. Oh putain. Il m'a dit un truc clairement là, mais alors quoi? Faut pas que je me fasse repérer par le groupe là. Merde, y'a le drone. Vous pensez que je peux le pirater d'ici ou pas? Ah merde, putain. Je sais pas si je peux le pirater d'ici le drone. Il tire sur qui là? C'est bon, je l'ai piraté là? Est-ce qu'il tire sur ses potes? Ça serait sympa. Attends, je vais guetter. Oh, il a pas l'air de bouger. J'ai entendu une explosion. Attends, attends, il y a d'autres fréquences là. Il y a toujours les ondes là. Il communique avec moi, je le sais qu'il communique avec moi. Oh, il y a une branche qui s'est envolée là. C'est un moyen de défense on dirait ça. Non, je sais pas ce que je dois faire en fait. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Bon, on va peut-être retourner d'abord au nord. On va peut-être aller au nord d'abord. Et après, on reviendra. Parce que je pense que la suite va se passer ici. Tellement curieux de savoir ce qui va se passer. Ah, son onde de choc, elle va loin. Hein. En tout cas, je sais que la zone est super bien gardée. Il va falloir être prudent. J'arrive, j'arrive. Il m'appelle. On va approcher de la zone indiquée en tout cas où il y a une présence de racines. Racines aliens. Ça doit être une zone aussi gardée, je suppose. Hein. Bizarre qu'il y ait personne. Ah. Un autre camion. On doit plus être très loin là. C'est quoi ça? Ok, il y a aussi des ennemis au nord. D'accord. Bon. On va aller voir ce que ça donne au, du côté de la racine. Et après on verra. À mon avis, c'était genre une zone globale. Putain. Ça doit être ça. C'est une zone globale. En fait, les racines se trouvent là. Où j'étais tout à l'heure, ou alors éventuellement au nord. Oh, fait chier. Et ça, c'est quoi? Un point d'intérêt. On va continuer par là. Et je pense que les racines, c'est là où on était à son garder. Et c'est aussi pour ça qu'il y avait l'alien. Ah, oh, punaise. Bon, tu sais quoi, on va faire un petit tour au point d'intérêt.
Et après, on retourne là-bas. On ira au sud d'abord parce qu'on connaît un peu le terrain. On a vu à peu près où étaient les ennemis. On a encore quelques mètres à faire. Oh, c'est quoi cette fumée? Ils ont fait le carnage aussi ici. Ok. On va prendre appui sur la caravane. Ça venait pas de ces bâtiments là, la fumée là. Ok. Personne, on dirait. C'est juste ce petit feu de bois là qui fait une fumée comme ça. Ok. Enfin, c'est peut-être pas du bois, hein, tu me diras, mais... Ouh, ça brûle. Je voulais juste me réchauffer un petit peu, mais... C'est ça la tâche là, aller voir l'objectif. Enfin cette position. Bonjour messieurs. Putain. Je voulais juste discuter avec vous moi. Ouais, damn, 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 damn. Recharge. Damn. Putain, un fusil à pompe ce bâtard. Ah, il m'a fait mal. Il m'a trouvé la... Recharge. Mais merde. Putain, vous êtes combien là-dedans? C'est à l'étage. Ça a l'air d'être nettoyé. Putain, les cons. Je voulais juste discuter avec eux, moi, normal. Pourquoi discuter avec eux? Ils ont pas des grenades sur eux, là? Ça m'intéresserait. De grenade, ok. On va rentrer par là. Oui, il y avait une entrée de l'autre côté sinon. Et lui là qui m'a fait mal, c'est pas un fusil à pompe, mais il m'a fait super mal quoi. C'est des rebelles, non? Ah, donc tout à l'heure c'était les rebelles contre les Livoniens, d'accord. Ok. Ah. Il y a peut-être là-dedans des grenades. Yes. Bon, il n'y a pas plus d'informations ici à récupérer, quoi.
Oh oh. Ça peut peut-être m'intéresser ça. Mardis, fusil de précision. Ouais, mais... Ah! Un lanceur. Je peux pas le prendre ça. Et j'ai mon Spectre. Petit RPG là. Ah si, je peux le prendre. Yes! Attends, on va le recharger du coup. Ça peut servir contre un drone. Ah bah il est déjà rechargé. Et du coup, est-ce qu'il y a moyen de prendre... Il y en a d'autres ou pas dans la caisse? Où est la caisse déjà? Elle est juste là. Attention au feu, Tipex, ça brûle. Il n'y en a pas d'autres. Bon. On va repartir au sud. On va arriver, on va arriver, on va arriver, on va arriver. On va essayer d'arriver par là. D'accord. Oh putain, c'est quoi ça encore? Mais il faut des feux partout ici là. On va aller voir. Un véhicule, on dirait. Si ça c'est un petit feu de camp, c'est abusé. Il y a du monde. Hop, on va juste récupérer un peu de... Un peu de stamina, récupérer un peu notre souffle. Je fais quoi? Je m'occupe de sur la route. Ça peut le faire ça avec le... Yes. Et je crois que je peux écouter leur conversation. Important ça. Non. C'est dommage ça. En même temps, ils sont en train de parler normal. Donc pas utiliser, pas besoin d'utiliser la radio là. Donc on s'occupe de lui d'abord. De lui ensuite. Putain, ils sont couchés, c'est con. Tombé. Il en reste un normalement. Il a claqué un fumier, ce bâtard. Ah merde! Pourquoi que j'ai claqué une fumier moi aussi? Moi je voulais claquer une frag. Oh bah. En plus la frag a été trop courte. Je pense qu'on a fait le ménage. Oh, les bâtards! Ils ont appelé de l'aide. Attends, juste aller voir ce qu'il y avait. J'espère qu'il n'y en avait que 3. Sont... Merde, 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 merde. Merde, il y en a un là-bas. Oh putain, comment ça bouge de ouf! Il est où ce con? Ah, il y a un mec en combinaison quand même. Reviens, reviens! Remontre-toi! Ils ont intercepté un convoi en fait. Ou alors c'est les rebelles qui ont intercepté un convoi... Ouais, ça doit être ça. Les Livoniens. Je vais voir ça de plus près. Oh, puis on peut prendre le véhicule. Oh, c'est affreux comment je vise. Où est-ce qu'il est parti? Il est parti de cacher où? Ok. C'est quoi son sac à lui là? Spécialiste RN NRBC, c'est quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est quoi NRBC? Hop, on va prendre son masque. Unité de respiration combinée. D'accord. C'est un sac pour respirer. Ok. Il avait l'air d'avoir des informations importantes ici. Hein. Ouais, ouais, ouais. Donc on voit que c'est fait intercepter là. Ils ont ouvert la...
La boîte. Ah, je pensais que le pick-up on aurait pu le récupérer, je vais voir. Ouais, il a pas l'air de pouvoir rouler. Il hein. Fait allumer de ouf. On va tester. Mec en dessous. Ça roule. On voit pas grand chose mais ça roule. Ok, donc on va continuer sur la route, descendre un peu plus au sud et après partir à l'est. Il y a un feu de camp là-bas. Il va falloir faire très attention. Je pense qu'on va laisser le véhicule, on fait beaucoup trop de bruit. En plus on n'y voit pas grand chose. Ok, donc là on devrait pas être trop mal normalement. Le complexe il devrait être juste en contrebas. Alors le drone, je vais essayer de le pirater. Normalement je suis du bon côté. J'espère que ça va fonctionner. Ça. L'explosion qu'il y avait tout à l'heure ou quoi? Ah oui, c'est ça, ouais. C'est là où j'étais tout à l'heure, d'accord. Donc on est qu'on était tout là-haut. Donc là, on va descendre. Je vais essayer de repérer le... Ah, c'est un peu plus bas encore. Donc ça doit être derrière, là il y a encore un mouvement de terrain, ça va être juste derrière. D'accord. Je me suis dit, ils l'ont fait ou pas? Ouais, ils l'ont fait. Ils ont fait un petit portail qu'on peut ouvrir. Parce qu'on peut pas escalader ça dans Arma. D'accord? Alors du coup, ils ont fait un portail. Attends, je vais voir si je capte des fréquences. Il est là, il est juste en bas, le... L'entité extraterrestre. Et le drone, il est où? Il quoi, ça impacte ça là-bas? Et même plus qu'un Pax. Un pick-up. Donc en fait, le pick-up, d'après moi, il est plus par là. Il y avait des habitations sur la hauteur un peu, non? C'est quoi, ça serait le... Là-bas, là? Ah, c'était peut-être là-bas, là. Enfin, le drone. Pas le pick-up, le drone. Il va falloir que je repère ses racines. Stipe, Redwell, that bouncer works. It's led to some activity. Must be one of those root caps. But I can't get close. The LDF have locked it down. Ah ouais, c'est clair. Ils ont verrouillé. We gotta get a bio sample. Dr. Chapek says we need to be beyond all doubt. The threat from cross-contamination still stands if we're wrong. And it isn't some giant network. There's only so much we can get from a single specimen. Yeah, I know, I get it. But I ain't getting shot over a root. Over. They use the spectrum device. Get rid of the guards, I don't know. I'm sure you'll think of something. Copy. Doesn't look like I got a lot of choice, does it? Out. Ouais, donc il veut que je me débarrasse de tout le monde pour pouvoir prendre un échantillon. Alors, une des façons possibles pour réaliser cet objectif,
c'est de pirater le drone. Ah mec, quoi le véhicule qui est là, là. Je vais me faire repérer en fait. J'ai cru que c'était un gars là-haut. Il y a un drone avec lui ou pas? J'ai vu un véhicule là qui est sur... C'est quoi ça? C'est un pick-up? Non, ça a l'air d'être le drone en fait. Ouais, 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 avec la tourelle au-dessus. Faut que je m'occupe des gars que je sais pas. Ouais, faut que je m'occupe des gars avant. Il y en a combien? J'essaie de déterminer il y a combien de mecs. Il y en a un sûr. Il y aurait même qu'il y en a un deuxième. Non, c'est deux. Ok, deux. Deux à traiter rapidement. Pour ensuite aller pirater le drone. Ok, ça peut se faire. Vous en pensez? Vite, 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 vite. Mauvaise idée. Bon les copains, on est d'accord pour dire que je me suis bien fait démonter. Donc cette fois-ci, j'ai décidé de le contourner un peu plus. Parce qu'on était presque dans l'axe de la tourelle. Et là, on est assez proche des gars. Je tenterai bien une petite grenade. Et ensuite, attends, on va sortir le spectre. C'est celui-là, hein, avec le bruit et le piratage. Ok. Ok. Je tenterai bien une petite grenade sur les deux mecs quand même. On le tente. Oh, elle est bien tombée. Yes, Spectre en main. Bruit sur le véhicule. Tu peux rien faire, tu peux rien faire. Faut que j'arrive à le pirater. Marche comme ça, non? Maintenir pour désactiver le drone. Non, je veux pas désactiver le drone. Je veux le pirater. Mais what? Bon, si j'ai bien compris ce qui s'est passé, on s'est fait tirer dessus par le vaisseau extraterrestre. Je dis pas de conneries. Donc on va essayer de reproduire ça, sauf que cette fois-ci, on va essayer de se barrer avant que le vaisseau extraterrestre nous tire dessus. J'ai pas vu où elle était tombée la grenade. Ok, ça marche. Ah, y'a pas de réaction là. Vas-y, ça tire, c'est bon. Ouais. Enfin, non. Mais bon. Je voulais me servir pour le pirater. Servir de lui pour le pirater. Donc c'est quoi, c'est Attends. Est-ce que le vaisseau extraterrestre il tire du coup? Ah, il tire sur le vaisseau extraterrestre. D'accord. Il va faire le ménage. Oh putain, c'est énorme. Regarde, regarde, regarde les canons qu'il a. Oh, c'est terrible. Je suis aux premières loges. Putain. Ah, c'est ces petites boules qui le protègent. Ok, regarde, 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 regarde. Comme des fleurs qui s'ouvrent. Ok, tiens, dans cette direction, il y a du monde là-bas. Bon. On va attendre que l'orage passe, hein. On est d'accord. Plus là. Elle est revenue. Ah, c'est stylé de ouf.
On est d'accord que si un jour je dois me battre contre lui, il faut détruire ces petites boules là. Vous pensez que je peux me rapprocher ou pas? Non, je vais attendre qu'il ait tué tout le monde là. Je vais rester planqué. J'ai entendu des coups de feu par là. Terrible. Ah, ça a l'air de s'être bien calmé quand même. Hein. Ouais, il est parti. Jack, il est parti. Bon, il doit rester quand même quelques mecs. Oh, c'était intense ça. Il tire sur quelqu'un d'autre encore là? Je vais aller voir. Ils ont pas des grenades du coup. On va récupérer ça. Une petite grenade frag, merci. Il revient. Bon. On va aller voir ce qui se passe en bas. Il devait protéger quelque chose. Ouais, bah voilà, c'est ça. La racine. Ah, c'est encore en lévitation, les planches de bois et tout. Bon, bah allons-y, hein, y a plus personne. Jack, c'est bon, j'ai réussi. C'est efficace. Il a fait le ménage. Hein. Ouh là là! On va se planquer ici. Et on va sortir le drone. Hop. Hop. C'est parti. Je peux pas éteindre les lumières là. Merci. Ah. Faut que j'aille récupérer un échantillon sur la boule orange, je crois encore. Hein. Attends. Je sais plus. Ah, ça y est, je sais. Voilà. Hop là. Et on se rapproche maintenant. Et on essaie de récupérer un petit échantillon du truc orange. Ah, je suis hors de portée, puis il est un peu haut là. Attends. Pfff. Je vais dire que j'avais une formation de drone. Opérateur de drone. En fait, j'arrive pas à comprendre le sens. Le sens du. Attends. J'arrive pas à comprendre le sens de mon. Merde. Voilà, on va le ranger. En fait, quand je tourne, là, c'est la merde. Ok, voilà. On pivote. Est-ce que ça suffirait, là? Il y a un truc orange, là. Là. Est-ce que c'est possible, ça? Yes. C'est bon. Allez, te coince pas surtout, ouais. Encore?
Ok, attends, on va ranger, on va lâcher les commandes du drone, on va ranger tout ça. Hop. On va récupérer le drone. Bon, principal, parce qu'on a récupéré l'échantillon. Hop, on démonte. Et petit sac à dos. Voilà les marsouins, cette première partie de l'épisode 5 de la campagne solo Arma 3 Contact s'arrête ici. La deuxième partie arrivera la semaine prochaine. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à laisser un commentaire si cette vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Si elle est jeune, portez-vous bien.